Ça commence maintenant les gars. Mais bon, on va faire de notre mieux. Moi, je pense que je peux jouer un podium pour une fois. Enfin, je me suis pas entraîné, donc j'avoue que je m'avance un peu. Mais le niveau est moins élevé que la Creator Series, je pense. Donc tu vas s'ouvrir à fond, exactement. Ça correspond à quoi les pourcentages? De course? En gros, quand on dit une course 50%, c'est-à-dire que par rapport à la réalité, ça fait 50% de la course en nombre de tours. Quand on dit une course 100%, c'est qu'on fait le même nombre de tours que dans la réalité. Donc la course en 100%, en général, elle dure 1h30. Et une 50%, ça dure 45 minutes. Un setup, mais c'est pas du tout un setup top speed, justement. C'est juste que l'aileron arrière, il y a trop de poids. Qu'est-ce que t'as fait là? T'as craqué Merci ou The quoi? Killer pour le Qu'est-ce que deuxième tu mois, merci caches beaucoup. sous ton sourire? Merci beaucoup. Je rappelle qu'il me manque 5 subs hors Prime et hors Gift pour. Bah là d'ailleurs, merci The Killer du coup. Pour atteindre la répartition 60% pour moi, 40% pour Twitch. Au lieu du 50-50 habituel. Podium. Franchement, j'aimerais bien. Est-ce que quelqu'un peut clip quand je vais montrer le setup? Regardez. Bah, de toute façon, on va pas sortir tout de suite. C'est quand je sortirai. Oh, il pleut pour la course? Oh bordel, il pleut pour la course. Ça change toute notre strat. Oh, il pleut pour la course. Après, je suis pas dégueu sous la pluie. Oh, il pleut toute la course? Ah non, ça sèche à la fin. Oh, ça va être un enfer cette course. Ça va être un cauchemar. Salut Licard, salut Kélian. C'est quoi ton bureau? Oh, j'ai plus la ref. C'est un bureau assis debout électrique. C'est pas ouf pour ton setup du coup. Mais de toute façon, on a tous le même setup. En gros, c'est juste que là, comme il n'y a pas énormément de marge, on est à 50 ailerons avant, on peut pas le changer. Rappelle-toi que le transfert de masse est la clé pour bien manœuvrer la monoplace. Lorsque tu freines, le centre de masse se déplace vers l'avant. Lorsque tu accélères, Moi, je vais il en se inter. déplace vers l'arrière. Et lorsque tu tournes, il est poussé Non, vers merde! l'extérieur de Ah, l'auto. j'ai oublié de Plus de montrer le points sur setup. chaque pneu signifie une Merci meilleure Bedrock de course. Qu'est-ce que ça fait là? soutenir! T'as Plus craqué ou que quoi? Qu'est-ce 4! que tu caches? Plus que Pour 4 ou 3! subir. Merci beaucoup Hey, Bedrock. let's go. C'est encore moi. C'est notre dernier L'apporté mois des pour valider le changements au 60-40. fonctionnement de l'ERS cette année. Tu as désormais le choix entre plusieurs modes en course. Teste-les tous sur ton AMF pendant les séances J'ai oublié de d'essai montrer le et setup. réfléchis à leur future utilisation en course. Je reviens vite pour en discuter avec toi. Merci Qu'est-ce que Chou t'as pour fait le là? T'as Prime, craqué merci ou quoi? beaucoup. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Oh, et je crois qu'il y a un stream officiel si jamais. Et j'ai trouvé et l'overlay du stream officiel est mieux que celui de la Creator Series. Parce que sur l'overlay à gauche, Qu'est-ce que t'as fait là? T'as craqué on ou peut quoi? voir la Qu'est-ce que tu batterie. caches sous ton sourire? Merci cher Lord, Gros merci sub pour le beaucoup. 60-40 les gens. Merci Bedrock, merci beaucoup les gars. Qu'est-ce que t'as fait là? T'as craqué ou quoi? Qu'est-ce que tu Merci caches Nizio sous ton aussi! sourire? Merci beaucoup les gars! On soutient. Let's go! On va chercher le 60-40! Putain, j'espère que j'ai bien choisi mon setup, hein. Vas-y, je lance un tour pour le Delta. Je vais me crash, c'est sûr. C'est sûr, je me crache avec les inters. C'est juste pour avoir un delta. Il est temps de passer au pneu sec. Rentre au stand pour changer les pneus. Qu'est-ce que t'as fait là? T'as craqué ou quoi? Merci Qu'est-ce que tu Nelson pour caches le sub! sous Merci ton beaucoup les sourire? gars, je Qu'est-ce que crois t'as que. fait là? T'as craqué ou Ah, quoi? vous Qu'est-ce que tu régalez. caches Vous êtes des rois. sous ton Merci beaucoup de sourire? soutien. Parce qu'il faut bien suivre le mouvement. Merci Killer, merci beaucoup. Ça c'est du train de la hype. Ça c'est du beau train de la hype. Eh mais en fait je peux bombarder sur le RS.
Oh, je lui file une vraie aspi à lui. Oh, je lui ai filé une vraie aspi. Ah, je crois qu'il y a une Ferrari qui arrive. Ah, mais j'ai trop d'essence. Mais j'ai trop d'essence de fou aussi. On peut pas être en dessous. Moi, je donne l'aspi à tout le monde. Je suis un fouteur de merde. Merci beaucoup Nelson et Killer avec rage hein, aussi. Je l'ai sûrement déjà dit mais. Mais merci énormément du soutien les gars. C'est combien de subs pour le 640? C'est 100 subs hors gift et hors prime. Normalement c'est écrit en dessous de la chaîne. Je crois qu'on était à 95. Donc merci beaucoup. Compris, tu rentres dans ce tour. Ah c'est 60 les stands, faut faire gaffe. Moi je vois que le niveau 2, mais c'est le 70-30 celui-là, ouais. Le niveau 2 c'est le 70-30. De toute façon c'est le dernier niveau. Le niveau 2 c'est 300 subs pendant 3 mois, hors gift, hors prime. Autant vous dire que c'est impossible. Genre déjà 300 subs par mois on les fait pas, hein. Donc 300 subs hors gift, hors prime, impossible. C'est pour ça on est très content du 60-40. C'est mieux qu'à l'époque où c'était que du 50-50. Bon du coup, I show de setup. Ah mais c'est... Le parc fermé est pas activé. Mais le parc fermé est pas activé, comment on prouve du coup? On peut pas savoir ce qu'on peut changer. On peut changer quoi en parc fermé à part l'aileron avant? Jusqu'ici notre meilleur tour est de 1 minute 14,8. Attends. Parc fermé is not activated. Bon bah tant pis, le parc fermé est pas activé, donc faites un clip du setup. Voilà. 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 Et je pense qu'on va lancer un tour. Hey, c'est encore moi. Parce que le parc fermé n'est pas activé. Fonctionnement de l'ERS cette année. Tu as désormais le choix entre. Du coup, ça a aucun sens de faire un clip vu qu'on peut le changer tout le temps. Pendant les séances d'essai et réfléchis à leur future utilisation en course. Je reviens vite pour en discuter avec toi. Je pense qu'il faudra le montrer avant le début de la course, au pire. Moi, je vais faire 2 tours de chauffe. Hein. Qu'est-ce que t'as fait là? T'as craqué ou quoi? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Merci beaucoup Go pour Pirja pour le sub, merci beaucoup. Wouah, il était en tour de sortie. Oh, le tour de sortie, il m'a fait peur. J'ai publié, merci Killer. Et merci beaucoup Go pour Pirja pour le sub. C'est Bedrock, on soutient encore plus ici. Incroyable, il a utilisé un deuxième compte carrément, merci beaucoup. Je vais faire 2 tours de chauffe avec les pneus, je pense que c'est mieux. Surtout vu l'essence.
Putain, il chauffe pas les pneus, hein. Ouais, le tier 2, c'est 10, c'est, ça donne 3 points. Ah non, c'est 2 points. Et le tier 3, c'est 6 points. Le tier 3, il est énorme. J'essaie de chauffer les pneus comme on peut. L'avant gauche, il va prendre tarif, hein. Allez, les pneus sont un peu plus chauds. Toujours pas un seul pourcent dessus. Bon, le droit est pas très chaud, mais c'est pas grave. Let's go. J'ai peut-être utilisé trop de RS. Putain, le souvenir de zinzin, la caisse. Waouh, je suis hyper lent. Une 10, c'est... Ah, je suis hyper lent. Je vais devoir relancer un tour. Ah, la caisse, elle rebondit, elle pivote pas. Ah, je vais devoir rentrer au stand. Je pense qu'on peut faire deux tours dessus, hein. Est-ce que je tenterai pas un tour en mode chrono et un tour en mode chrono plus dépassement? Ah non, j'aurais pas assez de batterie. Faudrait que je refasse deux tours de chauffe, non? On nous a relégué à la 11e place. Moi, je suis lent de zinzin. Mais après, putain, le souvenir de fou. Le setup ne me convient pas. Il nous reste moins d'un tour de carburant, le réservoir est vide. Putain, j'aurais aimé garder un set de pneus pour la course, hein. Un train de pneus soft, là. On n'aurait pas été contre. Attendez, j'essaye de choper de l'info. Ok. Ok, ok. Ah, j'aurais pu refaire avec les mêmes pneus. Bon, c'est pas grave. Bon. Je remonte encore. Hop. On va retenter, on va essayer d'assurer le coup, hein. On a apporté des changements au fonctionnement de l'ERS cette année. Tu as
as désormais le choix entre plusieurs modes en course. Non, non, je vais pas mettre des softs en premier relais, il pleut sur le premier relais. C'est juste que comme à la fin, il y aura besoin de softs, vu qu'il pleut presque toute la course. El Rey, il est devenu très fort sur le 24. Et je pense que mon tour de sortie, je l'ai fait trop froid tout à l'heure. Faut que je tente un premier tour, faut que je fasse un. Voilà. Faut que je fasse un tour de sortie beaucoup plus fort pour chauffer les pneus. Et que je lance mon tour direct. Parce que comme ça, si je le foire, je peux en retenter un. Allez, let's go. Non, sérieux? Je le déteste. Il m'a ruiné mon tour. Une combien le tour? Une 10? Oh, il m'a ruiné mon tour. Oh, j'ai pas assez. Oh, je passe, je pense. Je pense que je passe. Je suis pas fan du son du moteur Ferrari. Ah, moi non plus. Oh, je le déteste. Si je passe pas, c'est un scandale. Mais je pense que ça va. Ah, je le déteste. Ce sera une réclamation pour moi. Mais bon, enfin après... Parce qu'il y a des réclamations là, hein. C'est pas la Creator Series. Hein. Oh. Ce sera réclamation. Enfin, j'aurais dû rajouter un tour d'essence en plus. Piège là qui va enchaîner 17 réclames par virage. Ah oui, oui, oui. Hein. Bon, je pense on passe. On n'a pas fait un gros tour, mais on peut passer. Tu vas lâcher une réclame quand on va te dépasser. Ouais, c'est ce qui va se passer, ouais. Non, en vrai, je suis réserviste, j'ai rien à gagner. Hein. Autant je serais titulaire, je dis pas. Mais réserviste, y a aucune réclame. Hein. Ok, on peut bombarder les softs, les gars. Va y avoir un restart entre la qualif et la course. Il y a un restart entre la qualif et la course parce qu'il a oublié de mettre le parc fermé.
On peut bombarder les softs. Oh, El Rey, il s'en sort bien, l'enfoiré, il a eu 5. Oh, on aurait pu avoir El Rey qui prend 5 places. Il est où mon coéquipier? Oh là 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 là, mon coéquipier qui s'en sort bien. Ah, c'est dommage. Ah, mais en fait, il y a des Italiens dans la ligue. C'est dommage car du coup, bah, ça sert à rien. Ouais, c'est dommage. Après, moi, ça m'arrange, comme ça, je peux bombarder les softs, quoi. Comme ça, je peux être en mode, allez, on y va. Tu vois, genre là, la Q2, je vais tenter 10 000 tours. Et puis voilà, c'est ce qui se passera, quoi. Au moins, on a le temps de s'habituer au setup. Eh, mais peut-être que du coup, on n'aura pas de pluie pour la course. Mais du coup, je peux changer le différentiel. C'est quoi le différentiel pour le setup optimal? Après, je pense qu'il vaut mieux pas que je le touche là, vu que comme on pivote pas déjà, il vaut mieux le mettre à 100, peut-être le différentiel. Allez, je sors avec ces pneus usés, moi j'utilise tout, hein, du coup. Hein. Oh alors là. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, je voulais le parc fermé pour savoir ce que je pouvais toucher. Ah, mais en fait, j'avais le temps de faire 3 tours si j'étais sorti en pauvre. Le moteur Ferrari, il est. Il va falloir le supporter, hein. Salut Raph! Allez, on fait direct un premier tour avec ses pneus usés. Comme ça, on voit ce que ça donne. Oh, le sous-virage de fou. Ok, une 9.9, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Mon autre train de pneus, je vais le faire. Je vais faire 2 tours avec, je pense. Je vais rajouter un peu plus d'essence. La diff d'usure entre le gauche et le droit. Oh, on va mourir, hein. Ah, le gauche ici, il va prendre tari. Je pense que c'est un circuit. Moi, je pense qu'en course, je vais utiliser les médiums. Parce que je me dis que très rapidement, les softs vont surchauffer.
Non, j'ai pas pris le mélange dur. Mais ici, c'est medium soft ou soft medium en 50%. C'est pas pareil qu'en 100% la dégradation. C'est pareil que Barcelone sur. Ouais, je pense. Salut Snipski, ça va et toi? Mettre des softs en 16, ça va te mêler. Ouais, non, mais c'est bon. J'ai compris, j'ai entendu. J'ai entendu les appels des manifestants dans le chat. Je ne toucherai plus au soft au départ des créateurs series. C'est bon. J'ai compris que les deux arrêts marchaient une fois sur 100 sur ce F1. Que valait mieux faire un long relais en hard ou en médium. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On a compris. Le niveau est plus élevé qu'en CS. Non, non, non. Il est plus en dessous en vrai. Il est plus en dessous parce que. En fait, pour savoir s'il est plus au-dessus ou en dessous, je me suis basé par rapport à une pratique. Et j'ai vu qu'il était genre top 8 et tout. Yorpa, il joue le podium au classement. Donc globalement, c'est un peu plus bas, quoi. Jusqu'ici, notre meilleur tour est de 1 minute. Hop. 9,9. Alors. Putain, la diff est pas flagrante, quoi. Je dois aller chercher du 9,4. En vrai, je le fais, hein. Hey, c'est encore moi. Je me suis rajouté un peu d'essence. Je vais faire deux tours avec ce train de pneus. Mais non, ils ont ajouté des modifications à l'ERS cette année. Oui, oui, en vrai, oui, le but c'est de. C'est que dès que. Enfin, la prochaine saison, normalement, c'est titu. Hein. Mais j'aimerais bien qu'ils enlèvent ce truc de. Setup fixe. Je trouve ça un peu naze. Non, mais au pire, si vous voulez, on checkera vite fait s'il y a des diffs de son en changeant dans les paramètres. Genre, peut-être si tu mets son pilote ou un truc comme ça. Allez, let's go. On va faire deux tours. Ok, bon, on améliore de rien du tout. On va retenter un dernier tour quand même, dans le doute. Mais je pense pas que le dernier tour va. On va voir avec des pneus neufs si je passe en Q3, les gars.
Là, je recharge, je retente un dernier tour parce que je pense que j'ai le temps. Et si je vois que j'améliore pas sur le dernier tour, je le valide pas et je rentre au stand. Mais je pense qu'il y a le temps de faire un dernier tour et de relancer. Dans cette ligue de la CS, il y a El Rey, il y a Yorpa qui est réserviste en CS, il y a ME13 qui est réserviste en CS, Ricky Ricon qui est réserviste en CS. Allez, let's go. On retente. Ah, j'ai tout perdu à la fin. Avec les pneus neufs, ça peut passer. Hein. Faut que je rentre vite. Avec les pneus neufs, ça peut passer. Faut juste que je rentre vite là. Qu'est-ce que t'as fait là? Merci Panoramix pour le sub. Merci beaucoup. Tu t'en souviens? Merde, j'ai plus d'essence. Oh, ça se trouve, j'ai pas le temps de relancer un dernier tour. Si. Kirjan, Alec a dit. What the fuck, Kirjan n'est pas français. Je suis les deux. Expliquez-lui. Que je suis franco-portugais. Et so ich Deutsch. Ah, je me suis mis trage intérieur. T'as pas trop envie d'aller parler, mais t'espionnes bien. Hein. Allez, on a peut-être le temps de ressortir direct. Avec des pneus neufs. Ah, je sais pas si j'aurai le temps. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. T'as large le temps, vous êtes sûr? Ah, je suis pas sûr. Hein. C'est 1-10 pour sortir. Ah, c'est 1-10 le temps autour en qualif. Donc on peut compter 1-20. Si je suis pas à la sortie des stands à 1-20, ça passe pas. Hey, c'est encore moi. Ah merde, j'ai oublié d'enlever 1 kg d'essence, c'est pas grave. Xayou qui a anticipé. C'est encore moi, on a ajouté un nouveau mode de RS, c'est bon. Alors je rappelle, j'ai baissé la hauteur de mon volant par rapport à mon siège parce que j'ai mal au poignet. Ah, j'ai trop de kilos. C'est pas grave, on va faire avec, le but c'est de valider la Q3. De toute façon on n'a pas le choix, on est dos au mur. It's hammer time. Je t'ai découvert grâce à des vidéos YouTube. Oh bah bienvenue. Au plaisir ça.
Allez, let's go. Let's go. Le choker de Q3, c'est moi. J'ai réussi à choke mon tour avec des pneus neufs. Et je passe en Q3 quand même. Waouh, j'aurais pu économiser tellement les pneus. Oh, je passe quand même. J'aurais dû rentrer au stand du coup. Ok, bon. On prend. Waouh, Infra, il est rapide, hein. Elray, Elray, il est nerf sans setup personnalisé. Limite, 60 millièmes. Mais non. Pouh. C'est que j'ai. Après, je pense que j'ai calé un vrai tour avec mes pneus usés. Mais j'ai fait un peu de la merde. J'ai vraiment paniqué. En fait, j'ai eu un meilleur angle sur le T1 avec mes pneus usés parce que j'ai bien pris soin de d'ouvrir un peu plus. C'est tout le temps ça avec toi, c'est un truc de fou. Dès que c'est genre le tour où il faut pas de choke, je choke. Bon, wesh, regarde. T'as de la chatte aujourd'hui, c'est bon signe. On va voir. Hein. Après, Zandvoort, je pense, en rythme de course, c'est pas évident. Donc, faut réussir la qualif. Allez, je vais faire deux tours sur ces pneus-là. C'est parti. C'est encore moi. On a apporté des changements au fonctionnement de l'ERS cette année. Tu as désormais le choix entre plusieurs modes en course. Teste-les tous sur ton AMF pendant les séances. Je vais faire deux tours avec ces pneus. Réfléchis à leur future utilisation. Comme tout à l'heure, mon deuxième tour, ça se trouve, il sera meilleur. On revient vite pour en discuter avec toi. L'aspi aussi, on sait jamais. En fait, l'aspi elle fonctionne en créateur service parce que je sais qui est plus rapide que moi. Là, je pense pas qu'il y ait vraiment des mecs foncièrement plus rapides que moi. Tu sais, genre une pratique qui finit deuxième là sur la Q2 et par moment je pourrais être plus rapide, tu vois ce que je veux dire. Allez, let's go. Oh, le pneu avant droit. Allez, on va recharger. Et on va relancer un tour après. Oui, oui, une pratique, on le connaît. Elray, on le connaît. Oui, oui, il y a des streamers qu'on connaît dans la ligue.
Du coup, les mecs qui arrivent, c'est des mecs en tour lancé. Il faudra peut-être que j'arrive à en suivre un pour avoir l'aspi sur le sur mon lancement de tour. Au pire. Ah bah tiens, vas-y, passe devant, t'es rapide toi. Let's go. Merci pour la speed ray. Elray, s'il te plaît, par pitié Elray, par pitié Elray, Elray. Il m'a fait peur, hein. Il m'a fait peur le con. Ah, j'ai fini derrière. Une 9.7. Ah, je peux aller chercher 4 dixièmes au moins. Je peux aller chercher 4 dixièmes. Pneu 9. Dernier moment de la qualif. Pas d'essence. On le fait en un tour. Et on essaye de bien chauffer les pneus. Ou alors je fais deux tours de chauffe, mais je suis pas sûr que ce soit utile. Je fais deux tours de chauffe, les gars. Genre je sors à 3.30. Genre si je sors à 2, il faut que je rajoute 1 minute 10. Ouais, 3.30. Je fais deux tours de chauffe. Non, non. Sérieux, vous pensez pas? Vous pensez pas que c'est une bonne idée? Non, tu vas trop les user. Mais si je fais un tour tranquille en premier, je 0%. Attendez, je fais un petit pipi là, j'arrive. Jusqu'ici, notre meilleur tour est de 1 minute 9,7. La piste est calme pour l'instant, on peut y aller.
occupe la 10e place au speed trap. 319,7. Ok, it's time les gars, je suis 9e, it's time. Je suis 9e en 1.9.7. Faut que j'aille chercher 7 dixièmes pour jouer la pole. Faut que j'aille chercher une seconde. Ah ouais, ça roule hein. Ah ça vit hein. Ça use les pneus plus qu'autre chose, tu peux chauffer large un tour. Ouais mais... Ah j'ai même pas... Ah si. Normalement j'ai 2 dixièmes automatiquement à aller chercher. Je vais quand même faire 2 tours de chauffe, Zwick. Genre vraiment quand je te dis un tour de chauffe, c'est un tour tranquille. Parce que le droit, il va être trop froid en fait. Hey, c'est encore moi. On a apporté des changements au Allez. Fonctionnement de l'ERS cette année. Helmut Lapp. Entre plusieurs modes en course. Teste-les tous sur ton AMF. Le chat qui pète un plomb, ça y est. Hey, c'est encore moi. Ok, Helmut Lapp les gars, Helmut Lapp. On fait un tour de sortie tranquille, un deuxième tour de chauffe tranquille. Comme ça, on aura moins d'essence. La différence du différentiel au max, je crois que c'est dans la rotation des roues extérieures par rapport aux roues intérieures et du coup tu pivotes mieux. Tu vois, on dégrade pas, on est à 0% toujours. Et là le droit. Il y a du monde derrière moi, j'ai pas envie de me bouffer le trafic, du coup je lance mon tour maintenant, tant que j'ai personne. Ah je vais lui filer une aspi de fou non? Allez let's go! Let's go, c'est maintenant! On doit perdre.
Allez. Let's go. On améliore de 5 dixièmes. Je pouvais pas faire mieux. J'ai pas pu faire mieux. P7. Waouh, les écarts. 175, 164, 160, 153, 140. J'ai amélioré de 50 millièmes. Je finissais 3ème. Ah, je pouvais rien faire de mieux. Je pouvais pas faire mieux, les gars. Ah, je pouvais pas faire mieux, let's go. Non, pas mal. Franchement, pas si mal. Au moins, on a fait de notre mieux. Avec la dernière match du jeu, il vaut mieux avoir un différentiel à 100% ou bien 50-65. Non, là, c'est parce que... En fait, là, Phoenix, c'est parce que le setup qu'on a, il n'y a pas assez d'écart entre l'avant et l'arrière. On est en 50-43 et on n'a pas le droit de changer, c'est setup fixe. Du coup, le différentiel est à 100 pour essayer de rajouter de l'angle quand tu pivotes. Parce qu'en vrai, là, ici, à Zandvoort, t'as tellement besoin de plus de poids avant par rapport à l'arrière... que normalement tu devrais rouler en 50-40 ou 50-39, tu vois. Mais là on est en 50-43, donc elle pivote beaucoup moins. Sinon, la moyenne en général c'est 80% quoi, de différentiel. Ça va et toi, Babeur? Ah, les écarts de fou. Les écarts de zinzin qu'on a eu. Ok, bon, le lobby va restart, de toute façon. Ça allait donner quoi, la météo? Ils vont refaire la même. Ah, ça aurait été hyper intéressant, ouais. En vrai. En vrai. Est-ce que les wets c'est pas surcoté? Ah mais là pour 15 tours tu mettais quoi? Pour 15 tours moi je mettais des médiums là. Moi je lance dans le doute hein. Dans le doute je fais comme s'il y avait rien. I'll show you the setup. I change nothing. On met combien d'essence là-dedans? On va laisser comme ça. Hein. De toute façon, là ça se crash. Là, il y a un restart. A quitter la session. Ouais, c'est bon, il y a un restart. C'est dommage, je pense que tu perds les 50 sorties de chicane. Ouais, je pense aussi. Je pense que je perds les 50 à l'endroit, genre ici, quand j'ai glissé sur ce virage. Enfin, il y a tellement pas d'angle par contre sous la pluie, ça va être un cauchemar. Ça va être un cauchemar. Non, c'est moi P7, je suis P7 là les gars, on est d'accord? Non? Attendez, je vais essayer de voir déjà combien d'essence il faut mettre en 50%. Ah, il faut réduire quand même. Hein. Ah non, il a pris... Oui, El Rey avait 5 places de Pena, les gars. El Rey avait 5 places de Pena qui vont du coup lui être enlevées, je pense. DVS, dessin copy. Ok, ils vont refaire la même météo pour la course. Qu'est-ce que t'as fait là? T'as craqué ou quoi? Qu'est-ce que tu caches? Merci Joby pour le Prime. Merci beaucoup. Il est top combien dans la ligue? El Rey? Ou moi je suis réserviste, c'est ma première course. Tu penses être encore loin de pouvoir enlever Atrage? Ouais, en multijoueur, ouais. En vrai, ouais. En fait, il n'y a qu'à voir ma régularité déjà avec, où je fais pas mal d'erreurs, j'en fais trop par moment. C'est pas le bon moment. Mais on progresse en carrière, etc. Tenéis, que hacer captura del setup otra vez. Ah oui, on doit faire deux fois la capture du setup. Vous pourrez refaire un... Vous pourrez me rappeler de montrer le setup et il faut qu'on fasse un clip. Faut qu'on fasse un clip. Botard le pirge. T'as combien de leaks comme ça? Ah là c'est... J'ai que ça hein. Je l'ai découvert par hasard via une pratique. Et j'ai vu que c'était espagnol. J'ai fait... Oh mais je peux participer du coup.
Bon, faut attendre qu'il réinvite tout le monde du coup. Ah, il va falloir remettre le bon setup. Faut refaire un clip. Et on sera bon. Oh, c'est serré de fou en fait, putain. Sous la pluie, ça va être tendu du coup. Faut réussir à rester dans le train. Pas trop perdre de temps en bataille. Et quand ça va commencer à sécher, faudra avoir le bon timing. Surtout sur un circuit comme ça, hein. T'as le bon timing, je pense. T'es le roi du pétrole. J'ai fait du Simus Central, c'était incroyable, j'ai bien réussi, mais par contre sur le jeu, je connais les circuits, mais impossible à les enlever. Mais en fait, c'est ça, c'est que la physique change tellement. Enfin, genre, ça me. Je sais pas comment dire. Genre, e-racing, le fait que tout le monde soit centrage, du coup, j'ai aucun souci avec, tu vois. Après, t'as plus de parties de ranked, etc. Là, surtout ce F1, j'avoue que j'ai encore du mal. En fait, moi je pense différemment. Genre, je vois pas F1 comme je vois F1 comme un FIFA quoi. Si je suis plus rapide avec la trash et que c'est autorisé, bah je roule avec la trash, tu vois. Dans l'idée, c'est un peu comme ça que je vois le truc. Après, je comprends que d'un point de vue spectateur, ce soit plus agréable du coup sans trajectoire. Je l'entends totalement. C'est pour ça que j'ai mis la trash 2D plutôt que la 3D aussi, parce que la 3D elle est vraiment dégueulasse. Mais je le vois un peu comme ça, en mode bon bah si c'est autorisé. Tu mets en application les trucs les plus efficaces pour te faire gagner du temps, tu vois. Si c'est autorisé. Genre sur FIFA, on va pas te demander d'enlever les passes manuelles parce que tu vis. Enfin, d'enlever les passes automatiques ou semi-automatiques parce que c'est plus réaliste de viser précisément avec le joystick. Tu vois, je sais pas comment. Et que ça demande plus de skill. Bah oui, mais. En fait, je pense juste que c'est pas assez naturel. Genre, on arrive à piloter sur des super Formula F1 sur e-racing, mais sur F1 sans lettrage, on galère de fou. En fait, je sais. Après, je pense juste c'est parce que, en fait, ça irait si tu désactivais, si la trash n'existait pas dans le jeu. Si la trash n'existait pas dans le jeu en soi, tout le monde serait sur le même pied d'égalité et puis basta quoi. Mais ça rendrait le jeu inaccessible. Tu pars en inter ou en wet là? En wet. Genre, e-racing, on y arrive très bien parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, tu joues avec des gens de ton niveau et que tu peux monter, etc. Qu'il y a un bon système de rank et tout. F1, c'est un peu différent. Là, par exemple, les gens en multijoueur, je l'enlève pas aussi parce que si je suis moins fort en multijoueur avec la trage, enfin sans la trage, ça veut dire que par exemple. Quand je joue avec. Bah, en créateur série, ça voudrait dire. Je joue quoi? P16, P17, et à chaque fois on prie pour marquer un ou deux points. Est-ce que c'est vraiment intéressant après pour faire un best-of? Pareil, open lobby avec Hydro, etc. Bon, bah sans la trash, il n'y a plus trop de bataille avec Hydro en termes de rythme. Après, forcément, tu progresses au fur et à mesure, tu vois, mais ça demande tellement de temps. Et moi, le temps, je l'ai pas en mode. Quand je suis pas en stream, je fais du montage. Globalement, il y en a leur stream c'est de faire du CLM en boucle et de vraiment progresser, mais moi c'est pas mon. C'est pas le but quoi. Le but c'est juste de jouer vite fait. Des fois je lance pas le jeu de la semaine, tu vois, et je le lance juste pour la CS. Donc c'est pour ça la carrière je l'ai fait sans trage parce qu'au moins je peux régler l'IA et vas-y, on apprend. Mais les trages, je les connais, c'est juste ça demande beaucoup plus d'entraînement, d'apprendre à avoir les points de freinage avec temps d'usure, avec tel type de pneu, etc. Ah ouais, la pire, j'ai fait du montage. Bah, en soi, c'est mon taf, quoi. Ah, on doit attendre qu'il fasse la grille personnalisée, mais je pense que tout le monde est là en vrai. Attends, je vais voir sur Discord ce qui se dit. Salah est sélectionné le coacher Kounatos aux îles. Mmh.
Le tout premier volant, j'ai choisi un Logitech G29, c'est bon pour F1 et les autres jeux, etc. C'est, ça va pour commencer. Après moi, quand je suis passé de... Quand j'ai fait Logitech vers Trustmaster, vers Fanatec, ça allait. Mais après, quand je suis repassé de Fanatec à Logitech, parce qu'à un moment il y avait un bug et qu'il fallait enregistrer du gameplay, t'es en mode, waouh, Logitech il est bizarre. Tu live le 31 juillet? Je pense, ouais, c'est un mercredi. Le 30, je sais pas, parce que le 30 c'est mon anniversaire. Mardi. Mardi prochain, c'est mon anniv. Salut Yanis, merci! Je sais pas si chez vous ça fait pareil, mais le lobby déraille grave. On me fait rentrer 3 fois de suite au stand. Moi aussi, je suis du 30. Et ça, c'est beau. Que les belles personnes qui sont nées le 30 juillet. Allez là, faites-moi un grille. Oh, mais les 20 tours sous la pluie là, le cauchemar. C'est sûr, il y a de la safety. Hein. Alors, je rappelle, si on fait des contacts, etc., ça peut être des 5 secondes de pénalty qui tombent. Hein. Donc, faut être très très propre sur cette course. F1 24 ou 23? 23 tous les jours. Hein. Tous les jours. Hein. En fait, je pensais que c'était une bonne idée le fait de pouvoir recharger le RS quand on veut, etc., en course. Bah, maintenant qu'on l'a, je me rends compte que ça rend les courses nulles à chier. Sauf demain, Creator Series en Belgique, ce sera bien, vous allez voir. Parce qu'il y a des longues lignes droites, etc. pour doubler, mais surtout parce que le RS ne se recharge presque pas en Belgique. En Belgique, il y aura vraiment des moments d'attaque où tu vides ta batterie, où tu dois recharger, etc. Comme sur le 23. Mais il y a des circuits, genre, où tu vides ta batterie sur la ligne droite de DRS. Et tout le reste du circuit où il n'y a pas de zone de DRS, bah, tu te mets en intermédiaire, ça recharge complètement. Du coup, ça annule l'effet du DRS, de l'ERS, etc. parce que tu ne peux pas attaquer. Ça fait des trains de DRS. Dans le contenu F1.24 et dans la physique F1.22. Dans la physique F1.22, je veux plus jamais toucher à F1.22. Les voitures étaient sur de la glace sur F1.22, j'ai plus envie de toucher à ça. T'avais aucun grip, c'était un cauchemar. Tu devais tellement te concentrer. Enfin bref. C'est bon, la course va se lancer, la grille a été faite. A été faite. La grille a été faite, mais c'est au féminin. Let's go. Hop. On essaye de faire un beau début de course sous la pluie. F1.22, tu patines à 200 en cinquième, bien sûr. Je veux dire, F1.23, je me suis trompé. F1.22, plus la merde. Ah ouf, on a eu peur. Tu gagnes ta vie grâce au Twitch YouTube ou tu taffes à côté? Non, j'ai un taf à côté. Je peux pas, je j'arriverai pas à gagner ma vie. Je sais même pas si j'arrive à avoir un SMIC. Il y a des mois, oui. Et il y a d'autres mois, non. Donc. Ah, c'est peut-être un peu plus court la pluie. Eh, en vrai. En vrai. En vrai de vrai. Est-ce qu'on. C'est quoi? C'est 20 secondes un tour? Setup. C'est vrai, bien vu, Aiko. I'll show you the setup. This is my setup. Para vosotros, mi setup. En vrai, ça se tente. En vrai, si ça sèche à un moment, ça peut se tenter. On l'a vu la dernière fois, ça remontait de zinzin. Hein. Faites un clip du setup, s'il vous plaît, les gars. Merci beaucoup. Sous la pluie, tu peux mettre 35,5. Ah ouais, j'aurais pu. Infra qui part en inter. Ah, il va peut-être faire barrage, une pratique. Répond bien. Tu dois faire chauffer les gommes et les freins. Ils doivent être chauds à la fin du tour.
Ah non, je suis 6ème, je suis pas 7ème. Je suis pas mal 6ème du coup. Ah mais là la piste elle est bien bien mouillée. Je pense sur une piste comme ça les wets vont être efficaces. Mais par contre dès que les inters vont fonctionner, ce sera pas pareil. Au pire les gars, je compte sur vous pour aller sur le stream de Infratic et me donner l'info à quel moment ces intermédiaires vont fonctionner du coup. Comme ça on vérifiera si on pite ou pas. Parce que si on prend une seconde par tour, je boxe direct hein. Mais toi on y a. Genre ça va mieux chauffer mes pneus en vrai premier degré. Non, ça marche plus ça. Oh mais Infra il est en intermédiaire. Putain mais jure quand je fais ça ça chauffe pas. Allez c'est pas grave. Let's go. Oh Infra qui va nous bouffer au départ t'es en train de dire. Non. Je vais tenter un truc. Je vais tenter de désactiver le RS pour avoir plus de grip au patinage pour pas glisser. Non, vas-y, non. En fait, c'est de la merde. Vas-y. Je reste en intermédiaire. Augmente les freins, sinon tu vas bloquer l'arrière. Ok. Allez, let's go. Allez, allez, allez. Wouah la vache comment ça glisse. Infra il a sauté dès le départ. Wouah l'agressivité du mec. Oh là là. Bon heureusement qu'il y a le mode fantôme hein. Ah, c'est chaud. Faudrait que j'arrive à le passer, lui. Bon du coup j'en conclus en voyant le point rouge sur la carte que Infratic ses inter ont pas marché. Ok vous me direz quand il fonctionne ses inter.
sur toi de 3 dixièmes au tour. C'est pas une... Ah oui, c'est pas une phrase, c'est le mec Caspin. Une phrase, il est P12. Oh, Inda, il va se faire attaquer derrière. Oh, une course sous la pluie, par contre, ça me démolit le poignet. C'est maintenant. Beau travail, tu l'as doublé dans les règles de l'art. Allez, let's go! Let's go, let's go! Les inter sont plus en pour l'instant, ok. Ouais, maintenant on se concentre sur le pace. Sur la voiture de devant, 2,6 secondes. On va recharger un peu aussi. On est resté en intermédiaire. La piste est bien meilleure qu'il y a quelques minutes. Si les feux se résorbent encore un peu, on devrait pouvoir passer au pneu intermédiaire. Donnez-moi les... Dites-moi quand une pratique augmentera son rythme. Faudra voir son temps autour par rapport à moi. Ou limite les secteurs. Si vous arrivez à regarder les secteurs, c'est encore mieux. Vous me direz le temps autour. Inter plus rapide, vraiment? Déjà? Oh putain, les bâtards! Ok, c'est pas encore tout de suite, c'est encore trop tôt. Mais on est vraiment pas loin. Vas-y, vas-y, j'envoie le RS. Bulletin météo. Tu te débrouilles bien, continue comme ça. On a droit à encore une dizaine de minutes de pluie. 10 minutes. On a tout intérêt à chausser les pneus pluie.
Le mec qui a chopé les meilleurs tours, c'est un mec en intermédiaire ? Vous êtes sûr du box là ? Parce qu'il va y avoir du trafic hein. Plus lent infra. Reste en piste, ok. Les gars, je viens de choper le meilleur tour. 10 minutes. Pour l'instant, les pneus pluie semblent être les plus rapides. Une pratique est déjà là. Waouh, le call de fou qu'il a fait. Salut Marie, pardon, je t'ai pas dit bonjour. Je pense que j'ai maximisé mes watts quand même. Parce que là, ils peuvent avoir cramé leurs inters. Au stand à la fin de ce tour. Rentre au stand à la fin de ce tour. Ah ouais, go, go maintenant. Allez, let's go, les gars, let's go. Est-ce qu'on se fait rattraper par les mecs qui ont box avant moi? Oh que oui. C'était El Rey qui a box en premier. Ah ouais, je suis resté en piste trop longtemps. Infra a été bloqué, ah ouais. Après, peut-être les inters moins usés, ça fera la diff. Ah ouais, j'ai fait une erreur là. C'est pas grave, on aura un autre timing. Ouais, ça va, pour l'instant ça va, Marie. Après, peut-être ils ont leurs inters plus usés, hein. Un tour de trop, ouais, peut-être un de trop. Ah, les mecs ils sont partis en inter, c'est tellement le call du siècle. Ah mais une pratique, c'est le call du siècle hein, ce qu'il a fait. Bravo à lui hein. Oh! Oh le drapeau rouge, Juria! Juria, le drapeau rouge ici! Mais non! Oh, j'aurais dû rester en piste! Oh, j'aurais dû rester en piste si j'avais su! Oh, une pratique, il doit péter le seum par contre. Est-ce qu'il pleut encore? Oh! Ça va sécher! Ça va sécher direct! On peut pas! Ça va sécher direct! Oh la vache, ok. Oh ça sèche direct, on va faire un tour. Go pit premier tour. Non, non.
En fait, là, les gars, le problème, c'est que je crois que je suis derrière mon coéquipier. Je sais pas si vous pouvez vérifier sur le stream officiel, mais je crois que je suis derrière mon coéquipier. Infra Alstom, tu m'étonnes. Ah putain, j'ai les yeux qui piquent. Pfff. Non, il est P16, ok. Ah, sorry Razman, if I touch you. Pense à ajuster ton mode ERS sur ton AMF si tu en ressens le besoin. Ah, direct, hein, j'ai vu le trou. Bien, rentre à la fin de ce tour. Nous avons environ 27 tours de carburant. Aucun risque de pluie à signaler. Pour l'instant, les intermédiaires semblent être les plus rapides. Ok, les inters sont pas encore assez rapides. Enfin, les secs, ce sera pas encore tout de suite, je pense. Aucun risque de pluie à signaler pour le moment. On a tout intérêt à chausser des intermédiaires. En fait, tant qu'il dit pas, on ne sait pas sur quel type de pneu partir, c'est que c'est pas encore bon. C'est parce que je vous rappelle qu'on sort avec des pneus froids, les gars. Donc si la piste est pas bonne, on va glisser. Hein. Oh là là. Ça y est, c'est maintenant. Ok, c'est maintenant. Et je suis devant mon coéquipier, donc dans tous les cas, j'ai l'avantage. Les médiums vont au bout, hein. Moi, je mets les médiums. Il y en a qui continuent vraiment? Oh, l'erreur. Pas la peine de s'inquiéter pour tes pneus pour l'instant. Tout va bien. Ok, ça a pris. Ouah, ça a pris 10 secondes dans les stands. Ah, moi, c'est médium là. Hein. Moi, c'est médium et je vais au bout. Hein. J'ai pris une place ou pas? DRS a été autorisé, DRS disponible. C'est bon, tu peux partir. Tu es entré sur ton emplacement, pile au bon moment. Fais l'arrêt. C'est le moment de hausser le rythme pour faire chauffer les gommes. Des gens sont pas partis en médium là? Les gens sont pas en médium devant? Ouais, mon pauvre coéquipier qui aurait dû rester en piste. Mais il a des dégâts ou quoi? Il a cassé dans les stands. Non, il y a en hard. Ouais, mais les hard, je pense que c'est une terrible idée. Ouais, le coup de frein qu'il a mis. Ça va se battre devant, regardez les hards. Il va ralentir tout le peloton, les hards.
Ouais, celui en hard, il aura zéro rythme. Mais il a le DRS là, je crois. Jure, ça m'a pas compté un cut ça. Le mec a fait un tour de plus, il a gagné des places. Mais non! Donc c'était le bon call. Ouais, faut que j'arrive à raccrocher le train là. C'est pas simple. Vous avez rien vu? On n'arrive pas à suivre, on n'arrive pas à suivre. Oh, une pratique, viens là. Hein, bah juste parce que en multijoueur, j'aurais pas le rythme, il y aurait moins de batailles. Et comme ça, ça me permet aussi d'être moins concentré, de pouvoir du coup lire tes messages. Elle est tôt la zone de détection ici. Tu perds quelques dixièmes de seconde au tour par rapport à la voiture de devant. Elle est en train de creuser l'écart. Ah, je suis plus lent qu'une pratique. Ah bah je suis plus lent. J'arrive pas à aller plus vite hein. Essaye pas forcément de défendre. Ouais, je vais pas défendre. Alors, tous nos capteurs de pression des pneus indiquent zéro. Puisqu'a priori tu les vois toujours gonflés, on va dire que c'est une erreur de capteur. Pas de raison de s'en faire. Allez. Faut que je me serve de lui. Il y a même pas un mec qui est parti en soft devant. Non mais la trash les gars c'est une aide.
Ça veut pas dire que c'est forcément optimal. Des fois, faut freiner plus tard que la trave sur certains virages. Si Elray a mis des softs. Vous savez quel tour on a box? F. Comment ça F? Le stream est revenu, c'est revenu? Dites aux gens de faire F5. Dites aux gens de faire F5. La co est pas stable. Bah, je vous jure que ma co normalement est stable. Du coup, avant que ça crache, je disais, on a box tour combien? S'il vous plaît. Non, non, pas pour les wets, je parle pour mettre les secs. Oh, vous dites tous un chiffre différent, 13. Oh, je suis lent, hein. J'aime vraiment pas le setup. Je suis déjà pas fan du circuit en lui-même, mais le setup là qu'on a. Donc là, ça fait 10 tours. Et je suis à combien de temps d'El Rey? Mais moi aussi j'ai plus le DRS.
El Rey, il est où, les gars? Premier loin devant la Red Bull. Oh! Safety? Oh non. Oh, ça c'est pour provoquer une safety car, ça je reconnais. Hein. Le spin, bizarrement, quand il voit un autre drapeau jaune, bizarre. Une pratique qui me fume. J'arrive pas à être rapide sur ce setup. Ouais, je sais qu'une pratique il fera plus de stop. Là, si là j'ai fait 11 tours, là j'ai fait 13 tours, il m'en reste 13. Compris, tu rentres dans ce tour. Je vais te les faire mourir, les softs. Je vais essayer de créer un truc et on va voir. Je suis P7, on va voir si je remonte à ma position. On tente un truc. De toute façon, je suis réserviste, autant tester des trucs. J'étais P7. C'est bon, vas-y. Super boulot de ta part et des mécaniciens. C'était splendide. Je me dis, si El Rey il est aussi loin devant avec des softs, c'est que ça peut peut-être marcher. 12 tours, ouais, 12 tours avec les softs. Les softs et les médiums se croisent au bout de 7 tours. Et sinon, les softs peuvent tenir. Ouais, mais on est sur un circuit avec où il y a besoin de beaucoup d'appui. Donc je pense que les softs sont hyper puissants. Il a box devant moi, je rêve, ou c'était le mec derrière moi? J'aime beaucoup ce circuit, c'est les Pays-Bas. En vrai, c'est un Grand Prix sympa à faire parce que t'as une grosse ambiance et t'as la ville de Rotterdam, je crois, à côté.
Ah, ça vient de voir la puissance de mes softs. En fait, je l'ai peut-être fait un tour trop tôt, mais si je le faisais trop tard, ça se trouve, j'avais pas le temps de remonter. Et ça se trouve, ils auraient réagi plus tôt devant. C'est Amsterdam, la ville à côté? J'ai cru que c'était Rotterdam. Oh non, c'est abusé. C'est abusé ce timing de port. J'ai la marge. Hein. Oh, j'ai le seum, putain. Ah, j'ai le seum. Là j'ai box parce que je perdais qu'une seule position en faisant un box. Et je récupérais tous mes pourcentages de pneus. Putain mais j'ai le seum. J'étais P7, la safety elle vous sauve, elle les sauve trop là. Ah j'aurais dû rester en piste, j'étais sûr. En plus j'ai hésité, je me suis dit si je reste en piste ça se trouve il y aura une safety. Mais j'avais moyen de revenir. On a perdu deux. Non, j'en ai perdu qu'une, j'étais P10, non? Il y avait qu'une Mercedes derrière moi. Ou alors je dis nimp. Hein. Le deuxième est rentré derrière. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui auront des pneus usés devant? Non, mais là, sur les tours. Il voulait dire sur les tours de safety car, je crois. Mais là, il y a repeat. Vous battez pas. Jouez pas dans le chat à celui qui a la plus grosse quéquette qui s'y connaît mieux là. Tranquille. Soyez des grands garçons. Et tout va bien se passer. Putain mais jamais, jamais je remonte qui que ce soit là. Jamais hein. Bon, Gaga Deluxe et Guadacaps. Si je vous vois encore vous embrouiller, vous prenez un perma tous les deux. Parce que là, il n'y a pas de modo, du coup c'est moi qui dis les sanctions. Et ce sera perma. Donc arrêtez de voir aux bases, vous parlez plus, essayez pas d'avoir le dernier mot, vous serez tous les deux perdants. Point. Merci. Obligé de faire le truc d'enfant.
peux être modo. C'est vrai que trop cool, t'es là très souvent. T'as quel âge, trop cool? Aiko aussi, il est là souvent normalement. Faut que je regarde les âges. Mon volant, il a un feeling bizarre là. Mon volant, il y a un feeling bizarre. Je vais le redémarrer. Ouais, mais toi, si je te mets modo, tu vas perdre ton VIP, Marie. 27. Oh, ça va, t'es un grand. Vas-y, trop cool, hein. Y a moyen, hein. On va te rajouter dans la liste, hein. Brûle ton carbu, non. C'est vrai, putain, bien vu. Et là, si je brûle mon carbu, je vais cramer le moteur, hein. Sache-le. Après, est-ce qu'on a besoin d'un moteur ici? Je me concentre vraiment pour bien le cramer, hein. Il y a pour chauffer les pneus, mais je suis même pas sûr que ça marche encore, ça. Allez, on va essayer de faire une belle remontée. La voiture de sécurité rentre ce tour. Voiture de sécurité au stand. Assure-toi de mettre tes pneus à température et n'oublie pas qu'il est interdit de dépasser jusqu'à la ligne de chronométrage. Reste à ta place jusqu'au drapeau vert. Bon, je connais les relances d'El Rey, c'est bon. Si c'est lui qui fait la relance, je la connais. Oh, let's go, l'XT! Ça c'est l'hésitation, est-ce que je vais à l'XT, est-ce que je vais à l'INT, le mec me laisse reste au centre et du coup
je savais pas où aller. On prend, moi c'est des positions que je prends. Retour à la normale. Ok, il a abandonné dans les stands. À l'erreur. Faut que je fasse gaffe au vibreur. Oh, va y avoir des batailles devant qui vont ralentir le peloton. Je crois que j'ai pas le DRS à 1 millième. C'est déjà le dernier tour ? Oh, on va y avoir des crashs là. Ouais, on sécurise, de toute façon on est réserviste. Hein. Ah, le bouncing de fou. On valide une P9. On valide une P9. Ah, j'arrête, j'aimais pas. Ah, j'ai pas aimé le setup fixe qu'ils nous ont filé. J'ai pas aimé du tout. J'arrivais pas à la conduire. Elle s'ouvre trop en fait. Oh, oh la vache. Non, ça va, je tremble pas trop. Fait mal hein. T'as combien d'heures de temps de jeu sur F1 24? J'en ai aucune idée. Pas tant en vrai. Bon ça va, c'est une petite P9, c'est sympatoche. Une pratique, il a fini P4.
Bon, après, je partais P6, hein. J'ai fait des erreurs. Qu'est-ce que t'as fait là? T'as craqué ou quoi? Qu'est-ce que J'étais tu devant qui caches? avant de box pour les Ils vont softs? t'oublier. Merci beaucoup Alexis pour le 27e mois. Merci beaucoup les gars. J'étais devant qui avant de box? Je crois que j'étais devant M13, non? J'aurais pu jouer la P5. Avant de box pour les softs. J'étais juste derrière Infratik à un moment. Qui était à 5 secondes devant moi. Si j'étais peut-être si j'étais resté en piste avant la safety car. Tu roules hors stream très peu en vrai. Très peu. Ah, Yuki ne sera pas promu perso. Je pense qu'ils vont aller chercher un pilote externe. Ils n'admettront jamais leur erreur. Il faut pas oublier que. Attendez, je me mets dans cette position, mais. Non, ça va. J'ai pas d'auréole. Bah, bienvenue, Fort Menez. T'appeler Menez. Ce bon vieux Jérémy. Il y a eu un. Attendez, il y a eu un arrêté de. Enfin, il y a un truc de la. Attendez. Préfecture de police, il y a eu un communiqué pour dire demain les JO, faut pas aller sur Paris. Journée classée noire en Île-de-France par Bison Futé, il est très vivement conseillé d'éviter de circuler après 10 h dans la région. Bon bah je mets pas un pied à Paris demain. A1, A3 et A4 à l'approche de Paris seront également difficiles. L'enfer sur terre. L'enfer sur terre, les JO. Oui, demain c'est la cérémonie. Ok, bon bah. Demain on met pas un pied à Paris. De toute façon, j'ai pas mis un pied à Paris de la semaine. Donc comme ça, c'est fait. Tu as trouvé le programme des JO? J'ai téléchargé l'appli, j'ai pas encore regardé. P9, P9, ça a donné quoi P9? C'est ok. Attendez, on va faire un truc, on va poster le clip. Le clip du setup dans le Discord, histoire de d'être dans les règles. Comme ça, on est bon. Tu tapes dans quoi? Je tape dans une boîte de prod. Fou. Discord, Discord, c'est là. Mes clips, ils sont où? Point d'exclamation Allscan, si jamais je reprécise, c'est grâce à eux qu'on peut financer les best-of, etc. Payer des monteurs. Donc n'hésitez pas, point d'exclamation Allscan dans le chat, comme c'est indiqué, quelque part par là, à cliquer sur le lien, déjà pour montrer à la marque que vous vous en fichez pas. Et He just forgot to show us earlier. Hop. Ça c'était quand? Hop. Copier le lien. Bam. Sanctionner. Alors, ok, faut penser à activer la télémétrie en public. J'ai pris un carton jaune parce que j'avais pas la télémétrie d'activer en public. Aïe. Aïe 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 aïe. Après le live, retire mon pseudo, il va sur Insta, pourquoi? T'es qui en fait? T'es qui mec? Ça fait quoi? En gros, je pense que c'est pour le stream officiel, ils peuvent pas avoir toutes les données. Eux sur leur stream officiel, ils ont l'overlay avec la batterie de tout le monde pendant la course. Et si j'active pas la télémétrie en public, ils peuvent pas faire ça. Pourquoi tu me dis ça, Romagnino? Bah, joue au jeu, mon Romagnino, juste joue au jeu, hein. Et tu progresseras. Je m'attendais à un truc, en fait, il me demande des conseils. Mais il y en a plein qui me demandent des conseils, mais les gars, juste joue au jeu, hein. Il y a plein de youtubeurs qui ont fait des vidéos pour progresser si jamais.
Ah, moi je suis pas la personne adaptée, hein. C'est dommage de prendre un carton sur ça. Ouais, mais bon. C'est pas si grave. En vrai, on est réserviste. C'est ok, quoi. C'est ok.